Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville-là? Lorsque les ennemis sont attendus, qu'ils étaient déjà à la porte de Bethanie, celle qui s'est levée la première, c'est Marthe. Bien aimé, Marthe n'était pas fermée. Bien que les marchés étaient dans sa maison, lui, il était occupé dans d'autres travaux domestiques. Elle était agitée. Quand Marthe s'est levée, c'est toi qui lui dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais venu. C'est Matthieu, c'est Jacques. L'histoire de ma sœur. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit, c'est lui qui m'a ressuscité. Quand même il est mort, il a été ressuscité. Quand le mal n'était pas fermé, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, mais je sais qu'il va dire les derniers jours. Deux ans, c'est le dernier jour, Jésus a vu qu'avec Marthe ne peut rien faire. Jésus n'a pas bougé la vérité, parce que Marthe n'avait pas la foi qu'il fallait pour faire entrer Jésus à l'intérieur. Et c'est elle-même, Marthe qui est venue dire à Marie qu'elle est maître là. Marie s'est levée. La Bible dit quand Marie s'est levée, tous les Juifs qui sont venus les consoler, c'est Matthieu 11 et 19. Tous les Juifs qui étaient venus consoler la famille, s'est mis debout avec Marie. Mais quand Marie s'était mis debout, ce ne sont pas les Juifs. Pour accompagner Marie. Pourquoi? Parce que Marie était solitaire. Sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de pleurer, frappait les visiteurs, les gens qui sont venus de l'Église de Jérusalem, pour les consoler. Bien aimé dans le Seigneur, dans le message de la cuisine, nous sommes en train de célébrer. La vie de l'apôtre, et ce qui est dans sa vie. Il y a certaines choses que je veux, certaines tâches que je veux enlever. Je vais dire, je reprends mon message avant de continuer la célébration. Je n'aimerais pas que vous changiez de vision. Et moi-même, je ne changerai jamais de vision. Moi, j'ai prêché aux mamans, comme ma mari s'est célébré, c'est d'être à genoux devant Jésus prié. La vision que j'ai reçue de Jésus, moi-même, maman Dani, lorsque je cherchais Dieu, j'ai aidé de pasteur à pasteur. Écoutez-moi bien, les combattants. J'ai aidé de pasteur à pasteur, je n'ai jamais trouvé une solution. Et lorsque j'avais commencé à monter à la montagne, chercher Dieu seul, le Seigneur m'a dit cherche-moi de tout ton cœur, je ne serai plus. C'est ça que la Bible dit. Cherchez-moi de tout votre cœur, je ne serai plus. Voilà pourquoi j'ai commencé à chercher le Seigneur de tout mon cœur. J'ai oublié les ateliers, j'ai oublié que j'étais la femme d'un ingénieur à la Chocamine. J'ai commencé à monter à la montagne, j'ai commencé à chercher Dieu comment le Seigneur s'est révélé à moi. Le Seigneur me dit, les points que vous avez ici, dans ta vie, ce sont des liens. Toi, tu as le bien de divorce. Regarde ta famille, tout le monde est divorcé. Regarde tes tantes, regarde tes sœurs, regarde ton père. C'est un moment pour toi de divorcer. Et ton mari, il a la servitude. Et regarde comment la grand-mère a investi dans sa vie. La grand-mère fétichée, la grand-mère du mari. C'est le moment de réclamation. Où il sert le Seigneur, ou bien il sert la famille, ou il meurt. Mets-toi debout pour la prière. Le Seigneur m'a dit, vous voulez gagner des combats, apprends à prier toi-même. Quand les mamans sont venues au combat bien-aimé, j'ai enseigné au moment pour moi prier les 12 définitions de la prière. Les ennemis de la prière, les obstacles à la prière. Moi j'ai dit les combats que tu as à la maison. Le Seigneur m'a dit, tant que toi le moment, tant que tu as des combats, tant que le mari sera dehors. Le mari dans la polygamie, le mari lié, la maison liée, les enfants dans la méchanceté,
les enfants dans le monde, toi, la maman, tu dois entrer en profondeur pour prier pour la domination de ton esprit. C'est ça que le Seigneur m'a donné. Et moi, j'ai enseigné le petit couteau de maman. Les mamans ont commencé à venir nombreuses. J'ai rappelé aux mamans comment aller le changement de leur maison, l'humidité, savoir vivre, savoir faire. J'ai appris aux mamans la forme du foyer, toujours dans la prière, comment pleurer, comment gagner le foyer. Petit à petit, les mamans appliquées, et les hommes ont commencé à venir. Ça ne dit pas, moi, des prières, tant que moi, je n'ai pas de fruits. Notre religion, c'est à genoux, tu combats toi-même, tu fais la repentance, et le Seigneur vient te libérer. Et après, malgré que les multitudes dans les cinq condamnations, vous êtes là, qui a prié pour vous? C'est là des enseignements que Dieu nous a donné par rapport à l'agrément. Vous nous voyez prêcher à la télévision, vous venez dans les conventions, et regardez comme nous sommes nombreux, comment les gens sont libérés, les gens sont guéris de sida, les gens sont guéris de stérilité. Les gens des maladies et qui rament, les gens sont tenus, on n'a jamais poussé la boucle à quelqu'un. Toujours en chemin. Bien aimé, je voulais vous parler de ça, parce que je commence là, pour vous donner la paix.